C'est un roman qui commence par un, par un fait divers en fait. Euh, on découvre le, le corps d'une femme euh, à son domicile dans une chambre de bonne parisienne et on va se rendre compte qu'elle est morte depuis euh, un peu plus de deux mois et que, et que personne ne, ne s'en est vraiment rendu compte. Euh, et donc elle a été, euh, elle a été euh, abandonnée ou en tout cas délaissée parce qu'il y a, il tout de même quelques personnes qui vont se souvenir d'elle, euh, des personnes, douze personnes en tout cas qui l'ont côtoyée de plus ou moins près durant durant son existence. Il y a sa, sa fille, sa petite fille, son premier mari et puis d'autres. Euh, et donc sa mort va raviver euh, leurs souvenirs et, et chacun va va parler d'elle, va témoigner. Euh, euh, sur ce qu'il sait ou ce qu'il pense avoir compris d'elle. Et donc à travers ces douze ces euh, témoignages, ces douze évocations, petit à petit on va, on va reconstituer le, le, le puzzle de sa vie. Et, euh, et on, va, on va apprendre que cette femme s'appelait euh, Lila Beaulieu, qu'elle euh, est morte à 65 ans. Elle a été actrice, euh, elle a même été une espèce d'icône du cinéma pour... Euh, pour, ben, pour certains cinéphiles, euh, grâce à un rôle en fait, qu'il a, qu a propulsé dans la lumière à la fin des années 60. Et on va aussi comprendre au fur et à mesure que suite à ce, euh, ce succès unique qu'il a vraiment euh, propulsé dans la notoriété, euh, eh bien, sa, vie, euh, sa vie après, euh, ça a été une longue chute, une sorte de déchéance qui l'a amené jusqu'à ben, voilà, jusqu être retrouvé euh, deux mois après son décès. Euh, et donc, on va dérouler le, le, le fil de cette vie à l'envers. Donc, on part du moment où on découvre son corps et puis on remonte aux origines de Lila, sa naissance, ses premiers pas dans le cinéma. Et on va comprendre euh, pourquoi et comment euh, bah, cette femme, cette actrice qui à un moment donné a été dans la lumière, a été connue, euh, bah, comment elle s'est retrouvée, euh, comment elle a fini sa vie de cette façon-là, c'est-à-dire euh, euh, dans la solitude et dans le, le, le dénuement euh, total. J'avais envie de. De parler d'une certaine façon de ce, ce, ce star system qui à un moment donné met quelqu'un sous la lumière et puis peut très vite l'oublier, peut très vite aussi broyer les, les gens. Donc Lila, c'est un peu ça. C'est une femme déjà qui n'était pas prête du tout à, à devenir célèbre, qui l'a plutôt mal vécu, qui n'a pas su en faire quelque chose de, de positif. Quelqu'un qui a fait le vide autour d'elle. Et, et les, années, les, années, enfin, les années, bien sûr, ont, ont, ont passé. Elle n'a pas très bien vécu ça non plus, parce qu'effectivement, c'était une très belle femme. Et tout ça fait qu'on ben, aboutit à une, à une vie un peu ratée, ou en tout cas, qui n'a pas répondu aux, aux espérances et aux, aux possibilités qui étaient là au départ. Mais c'est surtout cette confrontation à la, à la notoriété, à ce que ça peut engendrer comme, comme tragédie dans, dans, dans une existence lorsqu'on n'est vraiment pas, pas armé pour, pour, pour affronter tout ce que ça peut amener.